today. My name is Miss Masha Obabua from the University of Mines and Technology, Takwa, Western Region, Ghana. In Ghana, indigenous plants are used to treat a lot of ailments. But today, especially this year's Botanical Festival, I would like to talk to you about two important plants in Ghana. Firstly, Achiampong, which is known as Corina odorata, and then Nunum, also known as Saint Leaf. Achiampong was introduced in Ghana in 1970s, and it was named after the then president, Ignatius Kutus Achiampong. Thank you very much, and then enjoy. Je vais aller chercher des feuilles d'achiampong. Va dans ta chambre pendant que je fais ça. Cette plante, au Ghana, est appelée achiampong. Elle a été introduite au Ghana dans les années 70 et a été appelée ainsi en hommage au président Ignatius Kutu Achiampong. Cette plante est utilisée pour traiter un certain nombre de problèmes de santé, y compris les maux de ventre, la bilariose, les rhumes ou les inflammations des mucoses. Elle est aussi utilisée pour traiter des plaies et arrêter notamment le sang qui coule lorsqu'on a une plaie. On peut trouver cette fleur dans certaines régions du Ghana, notamment dans le centre du Ghana. Je suis donc allée cueillir des feuilles d'achiampong. Mon enfant a des maux de ventre. Alors ce que je fais, c'est en fait que je vais broyer ou moudre certaines de ces feuilles. Vous prenez les fleurs, vous les nettoyez dans l'eau. Et ensuite, il faut broyer ces feuilles. En général, pour la médecine traditionnelle, on n'utilise pas de mixeur. Il faut moudre les feuilles en utilisant, comme vous le voyez, cette pierre meulière. Voilà. C'est bon. Vous prenez un contenant et ce qu'il faut faire, c'est ajouter de l'eau à la achiampong. Ensuite, vous mélangez. Voilà donc le traitement que je vais utiliser. Et vous utilisez une poire à lavement. Vous prenez ce traitement. Anita, oui maman, viens ici s'il te plaît. You'll be okay. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Alors, on l'utilise en fait comme un suppositoire au Ghana et on utilise une poire à lavement qu'on insère dans l'anus et voilà, c'est ce qui va traiter le problème. Ensuite, vous envoyez bien sûr votre enfant aux toilettes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il saigne, il s'est blessé. Oh, mon fils s'est blessé. Je vais aller chercher des feuilles d'achiampong. Au Ghana, l'achiampong est également utilisé lorsque l'on a une plaie ouverte ou pour les lésions. On ajoute de l'eau aux feuilles d'achiampong. Ensuite, on l'applique sur la blessure. Et en fait, la plaie va arrêter de saigner. Ensuite, on utilise un morceau de tissu pour couvrir la plaie. Et voilà, dès que c'est fait, la plaie va pouvoir guérir. L'achiampong est vraiment un traitement très puissant au Ghana.